hanno proprio. Planté parce que quand le champ était encore à l'état immature, donc de zéro à mon champ, on avait interdit les bananes plantées. Vous voyez là, ça progresse au fur et à mesure, le palier progresse, ça crée des lombres et ça étouffe les bananes plantées. Donc, quand c'est la plantation encore jeune, on peut interdire les cultures. Ça veut dire qu'on pouvait en récolter aussi des bananes plantées pendant que le champ de palmier évolue. Donc, plus ça évolue, plus ça. Les amis, parce que cela, le champ est là quoi. Le champ est là, il a 5 ans. Il a 5 ans, les palmes commencent à prendre l'envergure. Plus les palmes prennent l'envergure, ça couvre les espaces, les intérêts et les petits qui étaient en train de parler. Donc je viens sur mon champ justement pour faire la coupe, la récolte. La récolte du panier. La coupe c'est toutes les deux semaines. Chaque deux semaines, on passe, on vient prélever les régimes.
fréquence est exercée. Même après 50 ans, ça peut durer, mais c'est la taille, la hauteur du panier. Si vous voyez là, il a, le panier il a 5 ans. À 50 ans, la hauteur peut aller à plus de 17 mètres. À plus de 17 mètres, ça commence à devenir un peu difficile et pénible d'atteindre le sommet. Et en termes de sécurité, c'est un peu. Ça devient pénible. C'est pour ça qu'on pourra peut-être abattre et replanter. Mais sinon, il y a des courageux qui continuent à pousser. Pour ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens, ils peuvent prendre la peine de continuer à respecter les paniers depuis les 50 ans. Que les gens continuent à respecter. C'est ça. C'est une culture pérenne, donc très porteuse, très productrice. Parce que en termes de rendement, être produit plus que tous les autres cultures, plus que toutes les autres cultures de la jeunesse. C'est pour ça que vous retrouverez dans tous les confiseries, tous les produits cosmétiques, dans tout ce qu'on consomme même d'ailleurs, plus de pain, parce que c'est une aussi de très bonne qualité. Très bonne qualité en termes nutritionnels, même en termes de manipulation, le plan agroalimentaire, parce que plus de pain, à température ambiante, elle est figée quoi. C'est une huile que tu n'as pas besoin de chauffer comparativement. L'huile de tournesol, l'huile de colza ou l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, il faut pour la rendre efficace, l'huile pour la chauffer, de chauffer. L'hydrogénation, quand vous l'hydrogénez, après, c'est plutôt l'huile comme quand vous chauffez, par exemple, l'huile d'olive à forte température, ça commence à sortir des fumées et ces fumées qui sont cancérigènes. C'est dangereux. Le tour du popillot, voir à quoi ça ressemblera. Et quand on récemment travaillé, ils ont élagué. Le lagage, c'est le toilettage